Wesley, ça passait. Depuis la dernière fois que tu as participé à La Fayette, tu as proposé deux albums à tes fans. Qu'est-ce que ça va donner sur scène? Ça, les deux albums que j'ai proposés, en fait, ça va donner deux choses sur scène. Alors, j'ai fait une partie de mon show avec le band qui représente plus l'album Immigrant. Et puis, j'ai fait une autre partie acoustique avec des petites chansons haïtiennes traditionnelles, des mélanges et tout ça qui représente l'autre album. Puis, il y a vraiment une parenté entre la musique que tu offres puis ce qu'on sent ici dans l'esprit de La Fayette. Parle-nous un petit peu de parenté là. Normalement, la musique, surtout mon album Immigrant en ce moment, je peux vraiment dire que ça représente ce que La Fayette représente dans Saint-Michel. C'est-à-dire que c'est de réunir tous les gens, tous les talents qu'il y a dans le quartier. Moi, j'ai réuni tous les talents de Montréal, je mets sur mon album. Je pense que c'est la même mission, c'est à peu près la même chose parce qu'on vit dans un monde maintenant, on doit tous être ensemble. Puis je trouve que La Fayette fait la même chose que j'ai fait sur un niveau. Comment tu définis ton son musical? Ah, c'est une belle question, hein? Mon son musical, c'est un son assez universel, je peux dire. Et puis c'est un son quand même world. J'ai mélangé de la musique reggae et la musique afrobeat mélangée avec du troubadour, un peu auteur-compositeur. Tout ça, je peux dire que c'est un mélange de world music. Et ça représente quel message? Parce que tes textes sont importants, parce que ta réflexion l'est aussi. C'est sûr que moi, tu vois, je viens d'un milieu qui est rough. J'ai grandi en Haïti quand même toute ma jeunesse. J'ai été en Haïti et puis voilà, ça n'a pas été facile pour moi. En fait, en arrivant ici, je me trouvais très chanceux d'être ici, là où on a la sécurité, là où on peut penser à notre avenir, là où on peut imaginer vraiment devenir ce qu'on veut être. J'ai choisi d'écrire, de chanter pour pouvoir partager au monde ce que j'ai vécu en Haïti, ce que les autres sont en train de vivre en Haïti, ce que mes parents, mes sœurs et mes frères qui sont en Haïti en train de vivre. Et tu le réalises régulièrement, c'est une musique qui résonne bien aux yeux des oreilles des Québécois. Oui, les auditeurs réagissent aussi beaucoup, font des demandes spéciales aussi pour la musique de Wesley, les festivaliers aussi. Puis je suis convaincu qu'à La Fayette cette année, même s'il pleut, grâce à toi, on sera sous le soleil. Ah, merci! Merci.